Tiens, on pouvait pas se quitter comme ça, en fait je voulais te faire écouter un morceau de R&B. Donc déjà ne regarde pas mes cheveux parce que c'est le cas, c'est un carnage total. Mais ouais, de base j'ai les cheveux comme ça. Donc au cas où, avant de me faire clasher vite fait dans les commentaires, je voulais te dire ouais par rapport aux enceintes là en fait. Là je vais te mettre un morceau de R&B. Donc moi j'écoute du R&B depuis longtemps. C'est un style que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai, j'ai 36 ans et forcément le R&B, les audiophiles. Qui ont un âge un peu plus. Qui sont plus, plus vieux que moi, il y en a, ils n'aiment pas du tout, tu vois. Mais moi, donc, dans ces enceintes-là, pour le R&B, je les trouve vraiment. Elles ont un truc qui fait que, voilà, c'est, tu vois, le grave, il descend vraiment bien. Et même le son en lui-même, il est bon, c'est pas agressif, tu vois, c'est vraiment kiffant. Et du coup, donc, je vais te faire écouter sur les deux paires d'enceintes, et tu verras si chez toi, tu vas ressentir cet effet-là de comment dire. Après, tu peux écouter au casque ou même sur ton système, tu vas voir que ça descend très très bas. Et c'est vraiment, c'est saisissant en fait. Et dans le R&B, souvent il y a ça dans le R&B américain. Parce que ouais, que ce soit du R&B des années 90, le R&B lover, jusqu'à maintenant. Bon, c'est vrai que je suis plus trop fan de ce qui se fait maintenant, parce que je suis plutôt à l'ancienne. Mais voilà, là je vais te faire écouter du Weeknd, The Weeknd. Et tu vas me dire ce que t'en penses. Donc c'est parti, et on va balancer le son. Alors attends. Donc là, les enceintes qui tournent, ce sont les JBL. Les JBL, c'est parti. Mais le son était d'une ampleur de monstrueuse en fait. Enfin, c'était jouissif. Moi, j'ai vraiment kiffé. Et donc, tu as des enceintes qui, malheureusement, ne te permettent pas d'avoir ce ressenti-là. Certaines enceintes vintage, même des enceintes modernes, qui n'ont pas cette capacité à descendre comme ça, proprement. Et sache aussi que j'ai pas mis le j'ai pas de witness en fait. Donc, c'est vraiment, voilà, le son, c'est naturel, ouais, naturel. Après, c'est du tube, hein. On n'oublie pas que le tube, c'est coloré quand même. Mais voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais faire quoi déjà? Je voulais, sur l'ampli de puissance Luxman, le brancher en direct, donc sur la platine CD ou sur mon baladeur audiophile. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas de réglage de volume. Donc en fait, il me faut un préampli passif. Donc voilà pourquoi j'ai pas pu faire
de comparatif en direct, juste en passant par l'ampli de puissance à la source. Voilà. Mais ça viendra, un de ces quatre, j'achèterai un pré-ampli passif. Et en pré-ampli passif, je pense me diriger vers un. Je crois que c'est sur Audiophonix que j'ai vu ça. J'ai vu un pré-ampli passif qui a l'air bon, donc à voir, à voir, à voir. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez pu voir un peu les. Qu'est-ce que je veux dire par là, par rapport au grave qui descend et que l'enceinte, elle doit le restituer proprement, sans bavure. Enfin, voilà, c'était surtout là-dessus que je voulais insister par rapport au RNB. Voilà. Allez, ciao, ciao les gars, et à bientôt. Je crois que c'est bon, je vais arrêter les vidéos pour aujourd'hui. C'était déjà pas mal. Allez, bisous à tous.